بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dieu dit, Sourate Al-Qasas, les récits, Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Il crée ce qu'il veut et il choisit. Dieu est le créateur, il est le propriétaire de cet univers, il est souverain, il fait ce qu'il veut dans son royaume. Il crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut parmi les lieux, les temps, parmi ses créatures. Il a choisi parmi les anges Gabriel, Jibril. Il a favorisé Gabriel, Michael, Israfil par rapport aux anges. Il a favorisé la Mecque, Médine, Al-Quds, Jérusalem, par rapport aux lieux, aux autres villes, aux autres endroits. Il a favorisé les prophètes et les messagers par rapport aux humains. Il a favorisé le mois de Ramadan. Il l'a honoré par la descente de son livre, le noble Coran. Et durant ce mois béni, il a choisi une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr, la nuit du mérite, la nuit de la valeur, la nuit du destin. Il a dit dans son livre, dans le noble Coran, que Laylatul Qadr, cette nuit, est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, celui qui adore Dieu durant cette nuit aura la récompense de celui qui a adoré Dieu durant 1000 mois. C'est comme s'il a adoré Dieu 80 ans ou bien même plus. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, celui qui veille la nuit du mérite, Laylatul Qadr, en priant, en pleine foi et conviction, et en espérant la récompense divine, ses péchés antérieurs seront effacés. Tu adores Dieu quelques heures et tes péchés seront effacés. Tabarani a rapporté que le prophète paix et salut sur lui a dit de votre Seigneur émanent des flux de grâce durant certains jours de votre existence. De votre Seigneur émanent des flux de grâce, des souffles de bénédiction. Exposez-vous à eux. Exposez-vous à ces flux de grâce, à ces souffles de bénédiction. C'est une occasion très chère. Il faut l'exploiter. Il faut profiter de cette occasion. Dans quelle nuit des nuits de Ramadan est la nuit du mérite, Laylatul Qadr? Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, cherchez la nuit du mérite durant les 10 dernières nuits impaires du Ramadan. C'est-à-dire la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 et du 29. Et comme vous le savez, selon le calendrier musulman, la nuit devance le jour. Et la nuit, selon le calendrier musulman, commence au coucher du soleil. C'est-à-dire, mercredi, Inch'Allah, au coucher du soleil, commence la nuit du 21. Une nuit impaire. Dieu a caché la nuit dans le Qadr pour que les musulmans doublent d'efforts et adore Dieu convenablement et pour qu'il fournisse plus d'efforts, pour qu'il soit motivé durant tout le mois du Ramadan. Mais il y a une grande espérance que Laylatul Qadr soit dans une nuit impaire des dix dernières nuits du Ramadan. Alors nous devons prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Lui, lorsqu'il ne restait du mois de Ramadan que 10 jours, il veillait toute la nuit. Et ici, dans ces pays nordiques, en Europe, la nuit, elle est très courte. C'est quelques heures, c'est pas beaucoup. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait toutes les nuits, des 10 dernières nuits de Ramadan. Et il veillait réveiller sa femme. Il veillait toute la nuit et réveillait sa femme, pour que toute la famille profite de cette occasion bénie.
Il veillait toute la nuit, il réveillait sa femme et s'abstenait de tout rapport charnel. Malgré que les rapports durant les nuits du Ramadan sont autorisés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut profiter au maximum de cette période bénie. Et la mère du croyant Aïcha, que Dieu l'agrée, elle lui a dit « Qu'est-ce que je dois dire durant cette nuit bénie ?» Il lui a dit « Dis, Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. » Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi.